français, public déchaîné, tout ce qu'il faut pour saluer l'arrivée sur le plateau de Philippe Risoli. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau du Millionnaire avec un public fabuleux encore aujourd'hui, deuxième édition du week-end. Avec 5 gagnants qui nous ont fait l'amitié de venir nous rejoindre aujourd'hui. Pour 2 d'entre eux, c'est déjà terminé. Pas de millionnaire, mais 3 gagnants à vous proposer maintenant. Voici le premier d'entre eux, Pascal Argent, ce qu'on vous voulez. Ginette Taillebois, mariée, 3 enfants, 7 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants. Ginette a fêté au début du mois ses noces d'or. Elle est retraitée et habite Saint-Pierre-des-Corps dans l'Indre-et-Loire. Son loisir favori, des parties de pelote avec ses amis. Elle aime aussi la valse, les chansons de Tino Rossi et Luis Mariano, s'occuper de ses fleurs ou recevoir sa famille, enfin ses projets et aider ses enfants. Ginette Taillebois. La voici, Ginette, sur le plateau Millionnaire. Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Je peux vous faire un bisou. Comment ? Je peux vous embrasser. Ben, écoutez, vous êtes la seule femme du jour. Oui. Bien sûr qu'on va s'embrasser. J'en ai une autre à vous faire de la part d'une amie. Qui là s'appelle Martine, oui. Ah, c'est Martine ? Oui. Comment elle va, Martine, alors ? Très bien. Bien ? Très bien. Ah, Martine. Allez-y, Ginette, parce que ma grand-mère voulait l'embrasser aussi, elle n'a pas pu. Ah, alors, juste une petite bise pour la grand-mère de Pascal. Voilà. Merci voilà. Beaucoup. Vous êtes à 4 pour la grand-mère. Oui. Ben oui, c'est ça. Vous arrivez de Saint-Pierre-des-Corps. Oui. J'y étais encore la semaine dernière. Ah, ben c'est bien, fallait passer venir me voir. Ben oui, mais je suis resté une minute, car le TGV s'arrête une minute à Saint-Pierre-des-Corps. Ah oui, c'est dommage. Non, mais c'est vrai. À chaque fois qu'on va à Bordeaux, à Angoulême, voilà, à oui. toute cette région-là, oui. On revient, on s'arrête à Saint-Pierre-des-Corps. Oui, mais je ne connais oui. pas du tout cette ville. Ah, mais c'est dommage. C'est très... Non, mais pourquoi il s'arrête là, le TGV? Toujours là. Ben, je veux dire, il y a des grandes villes avant, il y a des grandes villes après, mais il choisit celle-là. Parce que Saint-Pierre-des-Corps, c'est mieux, c'est plus grand que Tours. Et... Vous êtes combien d'habitants à... C'est plus grand que Tours, Saint-Pierre-des-Corps? C'est pas plus grand, mais au point de vue de la gare. Ah, la gare de Saint-Pierre-des-Corps est plus grande que celle de Tours. Oui. D'accord. Alors, on dit 2-3 petites phrases sur vous pour vous situer un peu. Je viens de faire connaissance, moi, avant le début de cette émission avec votre mari qui se trouve là, qui se prénomme... Marc, que vous commencez à connaître depuis un bon bout de temps maintenant. Oui, je pense. Ça nous fait combien de temps, ça? 50 ans. 50 ans, ça a fait 50 ans le 7 septembre dernier. C'est ça. Et Marc, ce sont les noces d'or, alors, hein? Les noces d'or, oui. Et Marc, donc, avec qui je bavardais, me disait, on a fait une fête. Oui, c'est exact. Mais alors, c'était... Pareil, il a mis 3 jours à s'en remettre, il paraît. Oui, au moins. C'était assez génial. Oui. Bon, vous avez eu des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des arrière-petits-enfants? Oui, 2 arrière-petits-enfants. Comment ils s'appellent, les arrières? Aurélie et Guillaume. Là, c'est petit-petit, hein? Oui, oh, bah, Aurélie a quand même 9 ans et Guillaume, 6 ans. Ah oui, donc c'est pas si petit que ça. Ah, bah, donc non. Vous pouvez peut-être avoir des arrière-arrière-arrière. Je sais pas, peut-être. Ben, je vous le souhaite en tous les cas. Hein. Merci. Vous adorez valser, nous a-t-on dit. Oui. C'est vrai? Oui. Un tout petit 20 secondes de valse, ça vous irait? Oui. Mais alors, il faut. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas valser. Pascal, pensez-vous que nous aurions un valseur dans la salle? Eh bien, nous allons demander. Il faut un cavalier pour Ginette. Avons-nous un valseur, un cavalier valseur? Qu'il se dénonce. À droite, il y a un. Monsieur? C'est monsieur. Ah bah peut-être un que vous connaissez juste monsieur, non? Oui, c'est mon neveu. Public. Ah, c'est votre neveu? Ah bah ça va, comme ça vous restez en famille, bonjour. Bon, c'est comment votre prénom? Michel. Michel, vous faites, pour Tata, vous faites une petite valse, parce que vous êtes le neveu, vient-on de nous dire? Hein? Bon, on se fait ça rapide. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de valse? Peu importe. Alors, bon, nous écoutons, peu importe. Allons-y, c'est... peu importe, c'est le titre. Allez. Il faut mettre fort hein, sur le plateau. C'est 30 secondes pour se faire plaisir. Pas mal. Merci. Je trouve que c'est plutôt bien. Il a dit qu'il n'était pas spécialiste. Je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas facile bien. À la valse, contrairement à ce qu'on croit souvent. Bah oui, tout le monde la danse pas très bien. Bon. Là, on a fait la valse. Maintenant, oui. Ce sont les boules qui vont valser. Oui. Vous choisissez la bleue ou vous choisissez la jaune? La bleue. Vous choisissez la bleue? La bleue. On y va? La bleue. Vous allez mémoriser ici, en appuyant sur la petite chose, là, la colonne lumineuse. Allez-y. Mexico. Ah, faites voir. Mexico. Ah. Mexico.
Ah, je crois que vous n'en aurez pas plus. Une dernière fois à essayer, mais je crois pas. Mexico. Ah non. Voilà. Mexico. Ça y est. Bonne chance à vous. Pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. J'espère que vous aimez bien Luis Mariano, parce qu'on a mis ça. Il y a 1 million de francs en jeu, je le rappelle. C'est bien pour fêter vos noces d'or. Voilà. Commencez une nouvelle année, 51e année de mariage qui démarre maintenant depuis le 7 septembre, avec peut-être 1 million de francs. Tout dépend de ce que vous réserve la boule bleue que vous avez choisie. Bah, ça va être pas mal. Ce ne sera pas 1 million, mais ce sera 400 000 francs, 40 millions de centimes. On va redescendre. Eh bien, vous allez repartir vers Saint-Pierre-des-Corps avec un chèque dans la poche, à la différence de l'allée. Montant de ce chèque, 400 000 francs. 40 millions, merci à vous. Alain Bitarel, marié, 3 enfants. Alain est agent à la direction départementale de l'équipement et habite Wadicourt, hameau de la Somme, rattaché à Dompierre-sur-Authy, où Alain est conseiller municipal et pompier volontaire. Il aime le bricolage, le foot, il supporte l'équipe de Lens. Il aime aussi la pêche à la truite et la chasse à la hutte pour chasser le canard. Alain Bitarel. Voici Alain. Bonjour. Bonjour Philippe. Ça va Alain? Allez-vous? Ça va bien, vous arrivez à ton dit de Wadicourt, dans la Somme. Dans le département de la Somme, ouais. Vous occupez quelques fonctions d'ailleurs dans cette petite ville. Oui, vous êtes conseiller municipal. Vous êtes entre autres conseiller municipal. Et sapeur-pompier volontaire. Et vous êtes sapeur-pompier volontaire. Vous avez quelque chose dans les mains dans ouais. La Somme? C'est bien ce qui m'a semblé, c'est pour ça que je vous disais ça. Non, je le garde. Je vous le donne. C'est quoi? Ben ça, c'est, vous avez certainement dû en entendre parler. C'était la célébration de du 650e anniversaire de la bataille de Crécy. Ah ben moi, j'ai parlé que de ça. Il y a encore, on en ben parlait encore avec Pascal. On a pris un verre avant l'émission. On s'est dit de la bataille de Crécy. C'était pas le 650e anniversaire, là? Justement. Il y a un mois. Ben justement, c'était il y a un mois. Ouais. Rappelez-moi, Crécy, c'était qui contre qui? Les Anglais contre les Français. Édouard III contre Philippe VI. Et Philippe VI, Philippe VI. Attends, Philippe VI, c'est lequel? C'était un peu avant Philippe V. Non, un peu après. Attends, Philippe VI, c'était pas c'était pas le Bel, Philippe VI? Ah non. Non, c'était Philippe V avant le Bel. Philippe IV, le Bel. Philippe IV, le Bel. Philippe III, le Hardy. Philippe II, le discret. Auguste, Auguste. Parler. Philippe Auguste, le Philippe Auguste de... en Prums. Non, c'est pas ça? Bah, peut-être. Ah tiens, on va vérifier. Philippe VI, hein, vous me dites. Ouais, ouais. Et alors donc, je monte la bataille. Et qui a gagné? Les Anglais. Hein. Ouais, souvent, ils ont gagné. Hein. Ouais. Les Anglais. Et dedans, il y a quoi, une carte postale? Bah, c'est la carte qui va avec. Ah, toujours la bataille de Crécy. Ouais. Il y a quelque chose qui commémore tout ça? Il y a quoi? Bah, c'est le premier coup qu'ils ont fait ça. C'est pour moi, oui, il y a encore Bombal-Moulin, il existe, la Croix de Bohème, il y a des photos, il y a... Tu vois, tiens, tournez-les, comme si on faisait de la télé, vous le montrez, là, la caméra. Voilà, là, on passe. Voilà. Donc, vous avez, rappelez-nous ce que c'est que ça, c'est le moulin de quoi? Bah, c'est le moulin Édouard III. Ah, donc on sait que c'était Édouard III. Ici à côté. Ça, c'est la Croix de Bohème. La Croix de Bohème. Oui. D'accord. Et puis, bon, bah, ça, c'est aux entrées du village. Voilà, ça, c'était un archer. Robin des Bois, des fois. Ah, si, c'était un peu Robin des Bois, ah, ouais, hein, à la forêt de Sherwood. On pose le petit bol ici. Vous avez une passion commune avec moi. Vous êtes chasseur. Vous chassez le canard. Moi, je chasse le oulala. Le oulala. Alors, si, c'est vrai. Je connais pas. Vous savez pas chasser le oulala? Non. Je vous raconterai ça, alors, tout à l'heure. Oui. D'accord. Vous savez ce que c'est? Non. Sans rire. Ah non. Alors bon, je vous explique comment je chasse le oulala, vous m'expliquez comment vous chassez le canard après, d'accord? Entendu. On fait ça. Le oulala, c'est un très très grand oiseau avec des grandes ailes, des toutes petites pattes. Vous connaissez le oulala? Eh oui. Il a des toutes petites pattes, des grandes ailes et tout. Et ça se chasse au cri. C'est au moment où il atterrit, au moment où il va se poser qu'on le chasse. C'est comment pour le canard? Ah, bah, le canard, il faut attacher, il faut mettre des canards dans la mer, des aplombs et tout ça. Ah oui, le oulala, c'est pas ça, il est plutôt solitaire. Ah ouais. Il arrive, il a ses grandes ailes, tout ça, il arrive à fond la caisse comme ça, il va très très vite le oulala, mais il a des toutes petites pattes, mais il a de très très grosses... Coucougnettes. Coucougnettes. Ah, d'accord. Et au moment où il se pose, il arrive comme un fou comme ça, avec les trucs qui pendent, tu sais, les petites pattes et tout, il fait oulala, oulala, oulala. Il les laisse dans l'eau. Comment? Il les laisse dans l'eau. Voilà. Entrez des canards. Regardez, voici les canards. Mesdames, messieurs, les canards. Voici les canards. Et voici Irène. Tiens, vous connaissez pas Irène qui fait sa première apparition? Si, vous la connaissez. J'ai fait connaissance derrière. Ah bah, vous avez été plus vite que moi alors, dis donc, sur ce coup-là. C'est un drap dans les coulisses. C'est un très...
Merci. Est-ce que... Comment? C'est pour si on se trompe. Oui, c'est... oui, voilà, c'est ça, c'est pour si on se trompe. Quand vous venez, tiens, venez avec moi. Ici, on va voir si vous avez suivi. Vous avez des... canards. Jusque-là, c'est bon. Ouais. Alors, moi, je vais vous demander, parce que autant je m'y connais en roulade, tiens, tenez-moi ça une seconde, parce que moi, le canard, il me faut une fiche. Quand je parle canard, je prends une fiche. Et je vais vous demander, par exemple, celui-ci, j'aime bien, c'est celui qui tient le, le machin, et moi, je montre avec le doigt. Voilà, ce couple-là, par exemple, bah, un, deux. Canard col vert. C'est un canard col vert. Quelle différence vous faites entre le premier et le second? Bah, celui-là, c'est le mâle, et celui-là, c'est la femelle. Eh ben oui, eh ben justement, oui. Je vais vous demander, celui-là. Canard siffleur. C'est un canard siffleur. Il est bon, hein? Il est bon, le canard. Différence entre le 4 et le 5. Mâle, femelle. Et c'est toujours le mâle et toujours, oui. toujours la femelle. Il est toujours plus beau, le mâle. Le mâle est toujours plus beau, même d'ailleurs dans l'autre, je trouve aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça en réalité, mais... Il est plus beau aussi. Alors, ensuite, on a quoi? On a le 8. Qu'est-ce que c'est, le 8? Il est où, le 8? Le 8, c'est quoi? Le 8, c'est celui qui est avant le 9. Non, il est en dessous. Il est là. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le canard souché. Vous êtes fort en canard, vous. On a... Ah, tiens, celui-là, le 10. Vous le voyez, le 10? Il est où, le 10? Ah bah oui, il est là. C'est le quoi, ça? Sarcelle d'hiver. Bon, faut que j'arrive à vous en trouver un difficile. Ouais, il y en a. Le 12 et le 13. Où ils sont, le 12 et le 13? Le 12, là, et le 13. Oh, il est le 13. Il est là. Le 12, c'est la sarcelle d'été. Et le 13, c'est le canard chipot. Hey, Philippe, franchement, il nous embouche un coin. Coin. Un coin. Pas mal. Bon, allez, un dernier. Le 14 et le 15. Où ils sont? Je vais bien réussir à vous coller au moins une fois. Le 14, celui-là. Ah, le 14, il est dur. Canard pilé. Alors je vais arrêter parce qu'on en a, on en a 27 différents. Quel est celui? Il y en a un que vous ne connaissez pas là, si je vous l'avais posé? Ouais. Lequel? Je vais vous dire ce que c'est, j'ai l'affiche moi. Lequel vous connaissez pas? Le 25? Le 25, c'est un, je vais vous le montrer maintenant. C'est l'éder à duvet mâle. Il n'y en a pas par ici, hein, prenez pas. Non, il n'y en a pas trop. Bon, et ben moi je trouve que ça mérite les applaudissements parce qu'il y a pas une faute, hein. Chasseur, alors vous allez. En deux, trois mots, vous allez m'expliquer comment vous faites, mais on va aller à la roue, si vous êtes d'accord. Et pendant que la roue tournera, vous m'expliquerez un petit peu comment vous les chassez, tous ces canards. La jaune ou la bleue? La bleue. La bleue. Allez, on y va. On va demander à Pierre de bien vouloir venir nous reprendre les canards. Vous appuyez ici. Alors ça, c'est quoi, celui-là? C'est un col vert. C'est un col vert, bravo. Je vous souhaite bonne chance, devenez millionnaire. Là, en deux, trois phrases, comment... D'abord, quels sont les canards que vous chassez? Tous ceux que j'ai à peu près élucidés là, sur la photo. Hein. Ah oui, ceux-là, dans quelle région, donc, on a dit? Dans Pontieux-Marcanterre. Bon, il y en a un peu tout partout. Quel est le meilleur, si vous préférez manger, vous? Ah, le siffleur, il est bon. Oui, il est bon. Ah, alors, la technique de base, en deux, trois phrases? C'est une mer. Bon, dedans, vous mettez des implants en plastique. Mais après, vous mettez des implants qui donnent, qui chantent. Mais il faut les disposer selon les vents. Et bon, les canards, quand ça passe, ils appellent. Et puis si vous êtes bien attaché, t'as pas de problème, ça tombe bien. Si vous êtes attaché à l'envers, il faut la... Bah, si vous chassez aussi bien que vous les connaissez, ça nous donne combien? Ça nous donne la bleue 400 000 francs, 40 millions de centimes. Eh bien, écoutez, même somme que ma précédente gagnante, la première, tout à l'heure, venez avec moi. Alors moi, puisque vous êtes sympa, je vais vous dire maintenant, on a parlé de Philippe V à propos de la bataille de Crécy. Eh bien, figurez-vous que ça m'est revenu, c'était le frère de Philippe IV. Et Philippe IV, c'était Philippe le Bel. Oh, c'est possible. On se sépare? Exactement. Allez, au revoir, ma biche. Pierre Geneste, marié, Pierre est retraité et habite Noisy-Rubignon en Seine-et-Marne. Il aime le foot, il s'est occupé pendant 35 ans du club de foot du 13e arrondissement à Paris. Il aime aussi le billard français, la musique créole et sud-américaine et la pêche au poisson mort manié. Ses projets, voyager au Canada et en Colombie. Pierre Geneste. Il sera le dernier aujourd'hui. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Vous arrivez à ton lit de... L'Ariège. L'Ariège, où ça dans l'Ariège? Entre Pamiers et Foix. Foix?
très très belle région. C'est juste avant d'arriver sur la principauté d'Andorre. Hein. Absolument. C'est bien cela. On va faire nos courses d'ailleurs. C'est vrai. c'est un tout petit peu moins cher. Et vous êtes venu, c'est du saucisson, c'est de l'Ariège. De l'Ariège. Mm-hmm. Nous avons des testeurs de saucisson professionnels. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce saucisson? C'est bon. Il est de l'Ariège. Il est de l'Ariège. Alors, nous avons des goûteurs professionnels qui se mettent toujours au premier rang. Et normalement, ici, son regard s'illumine, dit « Oh, du saucisson de l'Ariège, depuis le temps, vous prenez l'assiette. » Et vous la faites passer à nos petits camarades qui vont déguster ce saucisson de l'Ariège. Vous êtes le dernier aujourd'hui. On fait très vite. Paris 13e arrondissement, vous êtes occupé du club de foot. Tout à fait, l'ASM 13 en l'occurrence. Ça s'appelle l'ASM 13. Association sportive multisport du 13e. Oui. Et ça marchait bien, c'était qui? Pas mal, oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue actuellement? Elle existe toujours ou pas? Oui, oui, toujours. Elle existe toujours. On est en première division de district et les gamins sont en promotion d'honneur. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, vous êtes établi dans l'Ariège. Non, je suis en retraite en Seine-et-Marne. Ah, mais alors pourquoi vous m'avez donné une saucisson de l'Ariège? Parce que j'étais en vacances là. Ah, parce que vous c'est étiez là où en... le millionnaire est venu me chercher. Ah, vous avez gagné pendant que vous étiez en vacances dans le département de l'Ariège? Non, en Seine-et-Marne. C'est compliqué. Suivez Philippe, enfin. Mais c'est dur. Non, mais disons que votre amie Cécile m'a appelé pour me dire que je passais les 8 septembre, mais je lui ai dit que j'étais en vacances en Ariège. Alors, elle a gentillesse de m'envoyer un billet d'avion. Ouais, sauf qu'elle s'est trompée, vous passiez pas le 8 septembre, vous passiez le 22 septembre. Absolument. Ouais, hein? Absolument. Bon, alors. Cela étant, en deux, trois mots sur la pêche. Bah, la pêche, là je suis en vacances bien sûr dans l'Ariège, jusqu'à la fin septembre. Là en ce moment vous êtes en vacances? En vacances encore. Donc là vous venez de l'Ariège? Je viens d'Ariège. Bien qu'habitant en Seine-et-Marne en réalité. Voilà, et vous êtes occupé pendant 25 ans du club du 13e arrondissement. Voilà, et je repars. D'accord. Dans l'Ariège. Et vous repartez dans l'Ariège. Pour revenir en Seine-et-Marne bien sûr après. Au mois d'octobre? Au mois d'octobre bien sûr, début. Je comprends bien. Alors donc la pêche au mort-vivant, c'est comment ça? Non, mort-manié. La pêche au mort-manié, qu'est-ce que c'est? On se sert d'un petit gardon et on fait une monture avec deux hameçons trident, un plomb devant, et puis on balance à l'eau, on essaye on dit manier parce qu'on essaye de donner l'apparence d'un poisson mort-vivant dans l'eau. C'est pas ce qu'on appelle la pêche au vif, ça? Non, rien à voir. Il n'est pas mort. Le vif n'est pas mort. Non, c'est un... On en parlait avec Pascal, et Pascal me disait, le vif n'est pas mort. Jamais de la vie. Et le mort n'est jamais très vif non plus, remarquez. Que hein. Nenni. Non, disons... Vous pêchez quoi? Bah, le brochet, le cendre, enfin la plupart des carnassiers en général. Ah non, on pêche la brochette, nous. Tout ça dans l'Ariège, donc? Non, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. L'Ariège, c'est la truite. J'ai bien compris. Voilà. Une petite roue pour se faire plaisir. Vous choisissez la jaune, vous choisissez la bleue. La bleue. La bleue. Venez ici, mémorisez. Allez-y, on va faire très très vite. Hop. C'est là, c'est quand on remet le poisson à l'eau. Ah d'accord. Je vous souhaite bonne chance. Allez-y, appuyez sur cette roue. Pas trop, trop fort, enfin. Alors, ça va, le séjour se passe bien ici? Parfait, super accueil, c'est très très gentil, tout le monde a été très gentil, c'est vrai. Alors c'est amusant d'habiter en Seine-et-Marne et finalement de venir de l'Ariège pour venir à Paris alors que la Seine-et-Marne c'est tout proche. En plus, oui, et ça m'a permis de passer le baptême de l'air. Je n'ai jamais monté en avion et grâce au millionnaire, j'ai pris l'avion. C'est génial ça. La boule bleue, vous allez repartir avec 400 000 francs, 40 millions, ben dites donc. Fabuleux. 3 gagnants, 3 fois 400, 3 fois 4, 12, 1 million 2 là en 20 minutes. Et j'ai une anecdote entre parenthèses. Rapide alors. J'ai acheté une maison en Seine-et-Marne, donc en l'occurrence. Oui. L'ancien propriétaire a gagné il y a 2 ans le millionnaire aussi. C'est pas vrai? Oui, tout à fait. C'est une maison du bonheur. C'est fou, écoutez. Même à fort loyer, je suis preneur. on regarde ce qui s'est passé en coulisses. Oui, Philippe, visite en coulisses avec Hilario Pereira qui a tourné la roue avant le générique et gagné 100 000 francs. Et puis Nordine Louati qui s'offrira le Brésil avec 200 000 francs. Enfin, petit clin d'œil à nos gagnants, il y a Alain, il y a Ginette à ses côtés et puis Pierre qui les rejoint. Ils repartent tous les trois avec 400 000 francs. Et nous retrouvons centre scène Philippe Risoli. Merci à tous, merci au public, je souhaite de passer un très très bon dimanche. Nous on se retrouve dans un petit moment pour la finale du Juste Prix et bien entendu le week-end prochain avec d'autres millionnaires. Merci, au revoir.